Hey yo, ah, shit. Ah, vous arrivez pas à me voir. Attendez. Boum, voilà. Aujourd'hui, je vais tester une map horreur. Apparemment, c'est la plus populaire. Je ne l'ai jamais jouée. Du coup, je me suis dit, ça me ferait une petite pause de From the Fog. Et si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à subscribe. On rush les 90 000. Voilà. Beaucoup mieux. Waouh! Chapitre 1. La forêt. Alors, oh là 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 là, 7 pages de yapping. Ok, il y avait... Non, j'enlève ça. Il y avait beaucoup de blabla là, donc je vais essayer de vous résumer ça à ma manière. L'histoire se passe dans un petit village où les habitants ont commencé à remarquer des corps d'autres villageois emportés par la rivière. Et ces histoires faisaient peur à tout le monde, sauf pour une personne. Ce villageois, il n'en avait rien à foutre. Et que tout le monde surnommait le Smiling Man. C'est un bug un peu spécial. Les villageois le décrivent comme quelqu'un de réservé, introverti et très riche. Parce qu'il habite dans un gros manoir. Mais on dit aussi qu'il est très sauce. C'est un chasseur qui pratique la nécromancie dans ses temps perdus. Yeah. Et en plus de ça, on n'a jamais vu un villageois entrer chez lui, ressortir en vie. Mais comme je suis un journaliste et on m'a amené ici pour enquêter ces histoires dans ce village, logiquement, je vais aller le voir. C'est la première fois que je tourne une map aventure orientée horreur, du coup je ne sais pas à quoi m'attendre, c'est vraiment une full découverte, espérons que ça va pas être la dernière. Ça commence mal, je suis un petit peu perdu. Oh, coffre, beetroot, j'ai une petite soupe. Monsieur, oh il est malade, il a besoin d'une petite soupe. T'as besoin d'une petite soupe mon ref? Ah bah... Yeah, je pense pas qu'il peut... Wow. Ah, je viens de vous voir. Ok, je pense pas qu'il peut consommer la soupe. Yeah, non. Je retrousse mon chemin. Ouh là 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 là. L'ambiance est trop stylée, par contre. Ah, le petit villageois. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Tout ce que je sais, c'est que je ressors avec des nouveaux vêtements et plus de nourriture. Donc... Arnaque vivant, lui. Et s'il vous plaît, on se calme deux secondes. J'essaye d'évaluer la situation, s'il est vivant ou pas. Ah! On t'a composté! Confession à vous. Je déteste les orages. Et je déteste les orages. Oh, oh putain! Ok, je rentre ici. Ça m'a vraiment pris par surprise. J'étais dans un moment vulnérable avec vous. J'essayais de vous confier à quel point que je déteste les tonnerres et les orages. Damn. Et Rob Brine! Waouh! Retourne dans la série de From the Fog! Yay! Oh, j'ai l'impression que je dois trouver une clé, quoi, pour pouvoir entrer ici. Vas-y, je pars à droite. Je parle à moi-même comme si on était deux. Ouais, toi, va à gauche et moi, je bouge à droite. Ouais. Plus de bouffe. Oh, la clé! J'ai trouvé la clé pour ouvrir la porte! Mais à quoi qui se trouve de l'autre côté? Oh, c'est un easter egg! Oh, c'est la maison de Shrek. Ils disent que je dois finir la map d'abord. D'accord. Note mentale que je dois jouer à ce easter egg de Shrek lorsqu'on finit cette mission. Oh yeah! Ne fais pas de bruit. Ok, rappelez-moi pourquoi je bouge chez lui. Et ils m'ont dit de ne pas faire du bruit. Ah nous, on est des bonhommes, nous. De toute façon, que va-t-il faire? Hey! Ah, shit, je le vois pas. Ceci n'est pas un bon signe. Ok, on va le déranger. Cours. Qui me voit. Ok, je cours. On me dit de courir, donc je cours. Je vais aller à la maison du Shrek. Shrek! Oh,
s'il te plaît. Non. Ok, chapitre 2, la maison. Ok, je suis où là? Oh, j'entendais pas. Oh shit, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un au-dessus de moi. Franchement, elle est super bien réalisée la map. Je comprends la hype derrière. Oh, journal. Que dit le journal? Cher lecteur... Ok. Une autre session de Yap. C'est le journal d'un certain type appelé Victor, qui a été emprisonné pendant 20 ans dans cette maison par un bouc appelé Babel Behemoth, aka le Smiling Man. D'ailleurs, les noms, ils sont très importants ici. Petit spoil. Pendant son séjour déluxe de 20 ans, Victor a découvert qu'il peut fuir de la maison en une seule journée par les égouts. Il suffit seulement de tourner 6 valves qui se trouvent dans la chambre de torture, le salon, le laboratoire, la cour arrière, la salle des machines et le grenier. Et tout ça va créer tellement de pression dans les tuyaux que ça va causer une explosion dans la chaufferie. Notre seule issue de sortie vers les égouts. Ah ah, là on vient d'activer un levier. 1 sur 6, bravo, il nous reste 5 autres. Ok, est-ce que ça c'est considéré comme le living room? Est-ce que c'est là où est-ce qu'il vit le bouc? On est où là? Oh! Monsieur? Pourquoi j'entendais pas derrière moi? Est-ce qu'on peut... Ouais, j'allais me demander si on pouvait ouvrir ça. Yark, qu'il donne rien de bien. Je sais pas ce qu'ils ont vu. Mais ils ont l'air archi choqués. Est-ce qu'on peut sortir lui? Il a l'air bien gentil. Ah non, non, j'ai rien dit. Il a pas l'air gentil du tout, lui. Ça mène où ici? Oh, le salon. Je sais qu'il y a un levier ici. Come on, le Smiling Man, il collectionne des plushies. C'est un bon. Ah ah. Et de deux. Laboratoire maintenant. J'entendais pas, mais je sais pas si c'est... Les villageois ou pas. Le laboratoire est fermé. Est-ce que c'est le monstre? Je pense que oui. Hein. C'est lui. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Oh, ça c'est la sortie. Ça c'est la sortie. Ça c'est la sortie finale. Oh, je peux passer par là, je peux passer par là. Est-ce que je peux le yonk? Non. Ouh. Le engine room. 3 sur 5. On a ouvert toutes les portes normalement. Je n'avais pas accès tout à l'heure. Je sais que la sortie, c'est ici. Où est-ce qu'il y a le bug? Il est là. Il me suit. C'est pensé être intelligent, mais je suis un chat. Oh, une clé. Boum! Vas-y. Let's go. Protège-moi. Protège-moi, Bobby! J'ai une armée avec moi. Ok, il m'a fait peur, hein. Je sais que c'est une mauvaise idée de ce que je suis en train de faire. Parce que là, il va avoir tellement de bruit et je ne sais pas qui et où et quoi ou comment et qui. J'espère juste qu'il a arrêté de squatter la place. De toute façon, j'ai mon ami de... Wow, il est où mon chien? Viens. Vas-y. Va voir s'il est là. Va voir s'il est là. Il est là? Laboratoire. Ok.
Qu'est-ce qu'il cook dans ce laboratoire? Wow, attends, c'est lui? Mais que cook-t-il? Vivement cet anglicisme. Mais que cook-t-il? Il me reste juste la cour arrière. Il me reste juste ici. C'est quoi cette maison de Gaulmont? C'est le cas de le dire, hein. Hi, j'aime pas ça. Le chien, vas-y. Vas-y là-bas. Va voir là-bas. Va voir là-bas, le chien. Hein? What the fuck? What the f... J'ai rien compris, mis à part que mon chien est tout seul dehors et je dois aller le sauver. Ne touchez pas mon chien. Et toi, je suis sûr que je dois te libérer avant que le bozo te fasse des trucs sombres aussi. Non, j'espère juste que mon chien n'est pas mort. Shit. What the fuck? Et je les ai contournés. Ah, cours. C'est ça. Boink. J'ai un trident. Maintenant, je vais les foudroyer. Je vais les foudroyer. Où est-ce qu'ils sont? Ça marche pas. Je pensais vraiment que la foudre allait les foudroyer, mais non. J'ai activé les 6 leviers. Ah, il est là. Reste où t'es. Voilà. Maintenant, à cause de la pression, ça a explosé le truc. Et là, je peux fuir. Espérons juste qu'il ne me réserve pas d'autres surprises. Oh, c'est fini, c'est la fin. Je vois le bout du tunnel. GG's. Oh non! Les égouts. Ça, c'est le chemin pour sortir. Je dois activer les leviers A et B qui se retrouvent là où c'est indiqué. Et ensuite, je peux sortir. Le premier, il est à droite. Si on continue à suivre ça comme ça, je suis censé avoir quelque chose qui débloque ici. Oui, ça c'était A. Let's go! Là, on doit faire la même chose, mais là, on doit aller à droite. Yes! Ouf! Quelle casse de tête! Heureusement que j'ai fait ça dès le premier coup, avec 0 mort. Mais... J'imagine pas comment ça aurait été compliqué de ne pas savoir naviguer. Ça ne peut pas être moi parce que moi je sais comment naviguer. Waouh, on m'appelle le poisson. Chut! Ouch! Je suis en train de me faire vraiment bully. Hein. Wouhou! Liberté! Dès le premier coup, les égouts, bye bye! Ih, ça c'est du bon caca mélangé avec de la boue. Et on peut pas monter, donc on doit descendre. Logique. What the fuck? Non. Ouh. Il y a quelqu'un qui essaye de m'aider. Et on a une bonne épée et on a de la protection. Lisons ce que le journal dit. Il y a un ascenseur qui m'emmène au grenier, c'est la seule sortie. Pour l'activer, je dois trouver un levier dans les corridors. D'accord. Et puis, il y a certaines substances qui vont me rendre invisible aux monstres, tant que je sais comment les utiliser. Oh, c'est ça qui me rend invisible. Encore, merci.
Si je réussis à faire ça dès le premier coup, je vais tellement rire. L'ascenseur est activé. Je dois retrouver l'ascenseur maintenant. Comment? Je ne sais pas. Oh, donc ça marche bien, mais ça me donne la faim. D'accord, je suis venu par là. Je suppose que la sortie doit être par là. Putain. Ça, c'était très très chaud avec. Mais ça va. Les Atix. Oh! Je m'appelle Victor, je suis Babel. Quoi? Comment ça, la personne qui s'est enfuie? Enfin, la personne qui m'a donné les étapes pour fuir d'ici s'appelait Victor. Puis il me disait que c'est Babel qui l'a enfermé ici, sauf que... Là, j'apprends que Babel, c'est Victor. Lisons ces pavés. Oh! Oh! D'accord, je viens de comprendre. Voici l'histoire de Victor aka Babel. Résumé à ma façon, encore une fois. Le bouc était orphelin. Sa mère a voulu le jeter dans les égouts quand il est né. Heureusement, ils l'ont arrêté. Et le petit pauvre, on l'a amené dans un orphelinat où il s'est fait abuser psychologiquement. Et c'est à ce moment-là qu'il a développé sa capacité à parler à des animaux. Ouais. Par contre, il était un vrai génie des sciences, un vrai nerd. Et c'est ça qui lui a permis d'avoir une vie, mais normale, après son orphelinat. Il s'est même marié, Victor, notre cher Victor. Il s'est marié, il a eu, ah, et ça c'est sa petite famille, Victor, la maman et sa fille. Sauf qu'un jour, ils se sont fiancés lors d'un raid. Et c'est cet événement qui a déclenché sa double personnalité. Babel, le mâle alpha qui veut se venger, et Victor, le faible sigma. En vrai de vrai, je peux pas lui en vouloir. Et en vrai de vrai, de vrai, l'histoire est trop cool. Maintenant, j'ai juste envie de lui donner un câlin. Il est où? Il est où, Babel? Viens ici que je te donne un câlin. Ah, c'est lui. Victor? Victor? Je te connais, toi. Il devient plus fort tous les jours. Tu dois m'écouter attentivement avant qu'il revienne. Est-ce que je peux te faire confiance? Oui! Écoute. Je vais essayer de prendre sa voix. J'ai secrètement fait un poison. Pourquoi j'ai on dirait c'est Mbappé qui parle? Je l'ai caché dans ma chambre à ma droite. T'as dit poison? Oui. Si je le bois, ça va enlever Babel de son monde. Sinon, une terrible guerre va commencer. Fais vite. On n'a pas le temps. Oh là 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 là, ne me dites pas que c'est un poison pour qu'il s'auto-yonque le pauvre. Moi, je ne veux pas le tuer. Oh merde. Oh merde, ça c'est Babel, ça. Ça, c'est Babel, ça, c'est pas Victor. Qu'est-ce que ça fait à Victor? Rien. Je l'ai envoyé dormir. Tu es en retard. Bientôt, je vais diriger le monde avec une grande armée. Mouais. À propos de ce poison, emmène-le-moi. Tu me fais pas peur, Babel. Je dois admettre que je suis impressionné. Si passionnant, si jeune. Tu es exactement ce que je cherchais. Quoi, il veut me rendre un soldat de son armée? Allons-y droit au but. Ignons le poison. Il est là. Prends le poison avec toi. Je ne vais pas te le donner. Bien évidemment, tu vas pas me le donner. Ça va être très intéressant. Ok, merde, je pense... Là, il faut juste courir. C'est ça? Oh! 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 Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais là?
Pour changer le monde, tu dois être prêt à faire des sacrifices. Ton peuple a montré à quel point ils peuvent être greedy et cruels. Pour prouver qu'ils sont supérieurs, vous avez tout pris de mon cher Victor et de sa tristesse. Je suis né de rage. Je vais tout détruire. Le gaz dans 2 minutes. Oula. Ok, je comprends son plan de vengeance. J'aimerais bien savoir par contre quoi faire. Oh, tu as qu'une chance pour éviter le gaz. Si tu échoues, ça serait la fin. Tu dois être bien préparé avant de franchir la porte. C'est très important que tu introduis le poison dans le hopper de la machine. Le poison, c'est la seule chose pour tuer Babel. Cool. Ok, du moment que je franchis la porte, il y a une autre porte. Et après ça, je dois prendre le chemin à droite. Yeah, j'ai vu quelque chose derrière moi. Oh merde. Ouch! Oh non, 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 non. Ah, il est fort. 30 secondes, fais vite. Ah, 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 ah. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a tué Babel. On quitte l'endroit là. Oh, petit Babel. Mais... Hein? Babel est pas mort? Pourquoi que je l'entends? Pourquoi j'entends des pas? Hein? C'est lui que j'ai vu dans le... Dans la prison, dans la chambre à torture. Qui est-ce par contre? J'aimerais bien connaître ton histoire. Est-ce que c'est un villageois que Victor a kidnappé? Et a voulu faire ses des expériences dessus? Je pense que oui, hein. Est-ce que tu veux venir avec moi? J'aimerais bien apprendre davantage sur son histoire. I know way. Comment ça, Babel n'est pas encore mort? Comment ça, il n'est pas mort? Mon ref. Mais Babel, il est mortel ou quoi? Oh non, c'est Victor. Je suis désolé. Je sais, mon bouc, je sais. Ah non, je dois prendre sa voix. Oh merde. Ah ben, elle est de retour. Je ne suis pas ton psy. Ouch! Oh, il veut entrer! Ellie? C'est qui? C'est sa femme, Ilia. Ah non, c'est son enfant. Oui, va là-bas. Il y a ton enfant là-bas. C'est bon? Pour une première map aventure horreur incroyable. Je m'attendais pas à l'histoire de Victor et Babel qui soit la même personne, donc c'est super bien réussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à like, subscribe et on se dit à la prochaine. Bye bye!